Salut, salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien sur votre humble serviteur et héritor. Aujourd'hui, je suis en costume, souvent il faut ça, voilà. Même quand tu es un chômeur, il faut souvent se faire plaisir, il faut souvent s'habiller en costume. Faut te donner un genre, vous comprenez un peu? Bref, juste pour rigoler. En fait, si vous avez bien remarqué, ça fait plus de 5 jours, vous ne m'avez pas vu faire des vidéos, vous ne m'avez pas vu réagir sur quoi que ce soit. C'est parce que j'étais très très occupé et puis c'était pas trop la forme en même temps. Dieu merci, tout va bien. Et les choses sérieuses ont recommencé de mon côté. Donc, merci à toutes ces personnes qui prient pour moi parce que les choses évoluent très bien. Mais en même temps, depuis ma position, j'ai vu certaines vidéos, j'ai vu des réactions ça et là pour incriminer Debordo Likoufa et le voir aussi se débattre à travers certains directs. Donc, je me donne le droit de lui envoyer ce message-là aujourd'hui. Donc, si vous voulez comprendre ou découvrir le contenu de mes propos, mais ce que je vais dire dans cette vidéo-là, regardez la vidéo dans son entièreté, dans son intégralité, pour pouvoir vous faire une opinion et une position. Voilà, donc soyez prêts. Si vous aimez la tête d'Hériton, déjà likez, partagez. Voilà, c'est la récompense. On se prend après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès, à la base. Je possède, à des firmes. Voilà, nous de retour. Ok, de quoi est-ce qu'il s'agit? Quel est ce message que j'ai envie d'envoyer à Debordo Likoufa et ces vérités que j'ai envie de porter à la Légion? Mais avant d'arriver sur vous, j'aimerais m'adresser aux Chinois de notre regretté Feu Didier Arafat. Permettez-moi d'enlever mon costume parce que la vidéo est très sérieuse. Voilà, elle est très très sérieuse. Donc, je vais enlever mon costume et puis on va se dire quelques vérités. Voilà, de quoi est-ce que je veux parler? De quoi est-ce que je veux parler? Ça fait un bon bout de temps, des personnes mal intentionnées essaient de manipuler ces Chinois-là. Mais j'ai envie d'envoyer ce message aux Chinois. Je ne serai pas long avec vous. Sachez différencier le virtuel à la réalité. Et beaucoup d'artistes, vous avez bien remarqué, cette fin d'année-là, ont annoncé beaucoup de concerts, y compris l'artiste Debordo Likoufa. Et il y a des personnes qui n'ont rien foutu de leur carrière, qui ont chanté, ça fait belle lurette, on ne sait même pas où elles sont actuellement. Voilà, d'après elles, avec tout le talent qu'elles ont, on n'a rien vu en fait, on ne sait pas où elles sont arrivées, elles stagnent là, elles stagnent là, elles sont en train de tourner en rond. Et elles sont en train de jalouser certaines personnes qui, même pas avec beaucoup de son, je vais parler du cas Debordo, ont pu se faire un nom et ont pu se faire aimer et ont eu du monde et bien beaucoup de monde. Donc, chers Chinois, moi, je ne viens pas commander votre présence au concert de Debordo Likoufa parce qu'il a ses fans à lui. Mais le message que je veux vous porter, c'est de ne pas vous laisser manipuler par ces attentes, par ces attardées choses. Oh, manteau là. Voilà. Ne vous laissez pas berner. Si vous détestez Debordo Likoufa, détestez-le naturellement, mais pas parce que quelqu'un vous influence avec des mensonges ou bien avec des propos incriminant ce dernier-là. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Parce que je vous sais responsable, même si parmi vous, je ne cesserai jamais de le dire, il y a des brebis galeuses, je sais que parmi vous, il y a beaucoup de responsables, il y a beaucoup de réfléchis, il y a beaucoup d'intelligents parmi vous. Donc, ceux qui veulent prendre part à la célébration des 15 ans de carrière de l'actrice Debordo Likoufa, vous serez la bienvenue. Ceux qui n'ont pas envie de se dépasser, il n'y aura pas de problème. Mais je vous demande pardon. Notre vie ici, là, elle est éphémère. Hein? Voilà. L'exemple parfait, même c'est votre président, je veux parler de Didier Arafat. Il est l'exemple parfait de l'homme n'est rien, la vie n'a pas de sens, la vie n'a aucune valeur. On nous demande seulement de bien vivre pour avoir un lendemain meilleur auprès de notre Créateur, c'est-à-dire Dieu. C'est ça l'essentiel de la vie. Mais si vous voulez vous attarder, si des histoires de gens, lui là il a tué mon artiste, lui là il a fait ça mon artiste, lui là il a fait ça mon artiste, ça ne va rien changer. D'abord, un, l'âme de votre artiste ne va pas reposer en paix, il sera très mécontent de vous depuis sa position. Et puis, ce qui est triste dans l'histoire, c'est quand je vois certaines personnes de certain âge raisonner comme elles n'avaient pas de cervelle, ça fait vraiment pitié. C'est triste, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Donc, chers Chinois, moi, comme je le répète, je ne viens pas commander votre présence à la célébration des 15 ans de carrière de Debordo Likoufa, non. Mais j'ai vu des réactions ça et là, donc je me permets de vous envoyer ce message pour vous dire que vous n'êtes pas idiot, vous n'êtes pas bête, vous n'êtes pas fou, vous êtes très intelligent. Vous n'aimez pas Debordo Likoufa, vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimez, vous vous déplacez. Mais ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas manipuler, je vous en supplie. Parce que il y a des personnes que vous souhaitez leur fiasco à leur concert, mais vous serez étonné. Parce que ce que vous ne savez pas, ces personnes-là aussi ont des admirateurs. Beaucoup d'admirateurs qui ne font pas peut-être beaucoup de bruit comme vous, mais ils ont beaucoup, beaucoup d'admirateurs. Didier Arafat est parti dans des situations très brusques, très tristes, ça nous fait très mal. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours mal. Mais ne soyez pas rancunier si vous aimez vraiment votre artiste. Parce que quand quelqu'un meurt, on appelle tous ses ennemis pour venir. Se réconcilier avec le corps ou bien demander pardon au corps s'il a fait du mal aussi à d'autres personnes. Donc ça ne sert à rien. Je ne vais jamais fatiguer de vous envoyer ce message jamais. C'est ce que j'avais envie de vous dire avant de parler à Debordo Likoufa.
Maintenant, je m'adresse à Debordo Likoufa. Debordo Likoufa, mine de rien, tu sais que tu es un artiste qui pèse beaucoup dans ce coupé décalé là. Comme tu le dis tout le temps, toi, tu es dans la consistance, tu ne cherches pas à être le dernier, tu ne cherches pas aussi à être le premier. Ça, c'est déjà bon. Et ça, c'est un discours qui me plaît bien. Voilà. Bien que souvent, nous, tes fans, pour ne pas dire ta légion, te dis que tu es le numéro 1, tu es le plus talentueux, tu as la plus belle voix et tout, tu dis toujours que toi, tu restes dans la constance. Ok. Moi, si je t'envoie ce message, c'est parce que je ne suis pas content de toi. Pourquoi? Je ne suis pas content de toi parce que j'ai l'impression que tu es en train de te débattre. Et c'est comme si tu n'étais pas en confiance. Et ça, ce n'est pas joli. Debordo Likoufa, rappelle-toi du 31 mars 2018, je crois. On a vu ce qui s'est passé. On a fermé la bouche des gens. Malgré qu'il y a ailleurs, il y avait des trucs, des entrées de, je crois, 2000, 2000, 5000. Mais on a rempli notre palais tranquillement. Ils ont voulu faire croire que c'était un fiasco, mais on a bien fait notre concert. Si tu veux faire des directs, viens t'adresser à nous, tes fans. Ou bien à tes fans. Voilà, parce que souvent, quand je me mets dans la peau des fans de Debordo Likoufa, beaucoup de personnes sont fâchées. Je ne sais même pas pourquoi. Comme si je n'avais pas droit à être fan d'un artiste. Donc, ce n'est pas intéressant. Franchement, c'est un peu gênant de voir l'artiste se débattre. Il ne faut pas te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier. Parce que seul Dieu connaissait ta vraie relation entre toi et DJ Arafat. Tu vas beau te justifier. Tu vas beau enchaîner des directs. Ça ne va rien changer. Concentre-toi sur ces personnes à qui t'aiment, qui attendent ton conseil et qui vont remplir ton palais de la culture. C'est ça le plus important en fait. Parce que comme moi je t'ai vu enchaîner des directs, bon, je comprends, tu as envie d'apporter des éclaircies ou bien clarifier certaines choses, c'est bien, mais ça te diminue un peu. Ça ne te met pas en position de force. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Nous sommes là, on va parler de ton conseil jusqu'à la date prévue. Et comme prévu, et comme toujours, tu vas encore remplir ce palais de la culture là. Je ne suis pas content de toi parce que tu es un peu grossier. Quand je dis grossier, tu es un peu dur quand tu t'adresses dans tes vidéos. C'est-à-dire, tu apportes des messages qui ne sont pas trop intéressants. Voilà. Bien que tu n'as pas besoin de la Chine, mais tu n'as pas besoin de dire que... Si tu me dis la chose, on s'en bat les couilles. On n'a pas besoin de ça. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Parce que si tu dis que tu aimais DJ Arafat, c'est que tu aimais quelque part sa Chine. Et tu sais très bien que dans cette Chine, il y a beaucoup qui t'apprécient beaucoup. Donc, quand tu sois ce genre de propos, ils ne te comprennent pas. Ceux qui ont envie même de te comprendre, ceux même qui comprennent même ta position, restent perplexes. Ils se disent que le gars, peut-être qu'il a trop la grosse tête. Et nous, sort ce genre de propos là, ce n'est pas joli à voir. C'est pour ça que je ne suis pas content. C'est pourquoi je sors cette vidéo là. Tu es Debordo Likoufa. Et tu es quelqu'un qui a eu l'opportunité plusieurs fois dans sa carrière d'être numéro 1 du coupé décalé. C'est jamais arrivé jusqu'à le numéro 1 est décédé. Je pense que tu n'as même pas besoin de venir te justifier comme quoi. Non. Tu as tes fans comme tu l'as dit. Tu n'as même pas besoin de venir dire en fait en vidéo que tu as tes fans parce que tu as tes fans réellement. Voilà. Attends juste la date du 20 décembre et voir si tu as des vrais ou des faux fans. Parce qu'il y a des gens sur Internet ici qui savent bien crier sur tous les toits, qui sont super fans, ils sont super fans. Mais quand le artiste fait un concert, donne un concert, ils n'arrivent même pas à se dépasser comme quoi ils n'ont pas les moyens. Mais mon ami, tu peux cotiser. Quand tu es trop fan d'un artiste, tu peux prendre crédit même pour aller à son concert. Parce que tu l'aimes trop. Parce que si tu es prêt à venir insulter à tout bout de champ sous les vidéos de certaines personnes, je pense que pour montrer vraiment l'amour que tu manifestes à l'égard de ton artiste, là, tu as ce devoir-là de te décarcasser pour trouver le prix du ticket pour te rendre à son concert. Donc, moi, je ne veux pas voir de vidéo de toi, en tout cas. Je ne vais pas avoir de vidéo de toi en train de te justifier. On n'en a même pas besoin. On n'en a vraiment, vraiment pas besoin. Tu es Debordo Likoufa. C'est ce que je dis toujours. Toi-même, tu ne te fais pas confiance. C'est-à-dire, tu ne te respectes pas toi-même. Tu connais pas bien ta valeur, en fait. Voilà. Tu ne connais pas bien ta valeur. Si tu connaissais bien ta valeur, tu n'avais pas besoin de parler beaucoup. Tu n'avais vraiment pas besoin de parler beaucoup. Tu annonces ton concert pour le 20 décembre, non? Tu vas voir ce qui va se passer le 20 décembre. Quel que soit le boycott, tu vas remplir le palais de la culture. Parce que parmi même ces Chinois-là, beaucoup vont se déplacer pour venir au palais de la culture. Parce que beaucoup ne sont pas bêtes. Beaucoup ne sont pas idiots. Et ce qui est sidérant dans l'histoire, ce qui est triste dans l'histoire, tu ne sais même pas que tu t'adresses à une minorité qui confond le virtuel à la réalité. Ceux qui font des commentaires sur Facebook, sur YouTube et consoles, ils ne valent même pas 1% des fans de ces artistes-là. Ils ne valent même pas 1%. Les 99 autres-là, c'est des gars qui sont réfléchis. C'est des gars, Debordo fait son conseil, il va. Mais quand ils vont l'arrêter dans la rue pour demander entre Debordo et Serge Meno, c'est qui ton préféré? Il va répondre Serge Meno. Entre Debordo et puis DJ Arafat, c'est qui ton préféré? Il va répondre DJ Arafat. Mais n'empêche que s'il a envie d'aller se gayer ou bien s'amuser au conseil de Debordo, qu'il se déplace. Il va se déplacer sans problème. Donc arrête d'enchaîner ces vidéos-là. Tu n'as même pas besoin de ça. Tu es Debordo Likoufa. Cher légionnaire, dites à Debordo qu'il est Debordo. Peut-être qu'il ne sait pas ce qui. Ce que c'est l'artiste Debordo, je ne parle pas de série Patrick Dibeux, mais je parle de Debordo. Debordo, c'est un mythe. Debordo, c'est
une légende vivante du coupé décalé. Parce qu'un artiste qui n'a pas beaucoup de sons, qui est aussi adulé, respecte-le. Parce que quand il va partir aussi, vous allez reconnaître que c'était un gros talent. Souvent, asseyez-vous, mettez votre haine de côté et puis écoutez les morceaux de Dubodo. Vous allez comprendre combien de fois il est multidimensionnel et super talentueux. C'est ce que je vous demande. On ne vous demande pas de l'adorer. On ne vous demande pas de le lécher. Mais en même temps, il faut aussi avoir un peu d'amour et écouter tout le monde. Aider tout le monde. Parce que vous êtes dans un esprit de œil pour œil, dent pour dent. C'est que vous, votre place est en enfer. Parce que vous êtes des super pécheurs, vous. Vous êtes des gros pécheurs. Si vous n'avez pas le courage de pardonner, de laisser tomber et de faire évoluer les choses, vous, votre place est en enfer. Ça, je vous le dis en même temps. Vous ne trouvez pas ça ridicule que votre artiste est mort et puis vous restez toujours dans votre esprit de diviseur, là, de fouteur de merde, là. Vous ne trouvez pas? Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que vous le voulez ou pas, Dubodo va remplir le palais de la culture. Ça, c'est un. Et puis, l'hommage qu'il a décidé de rendre à Arafat, il va rendre ça. Et puis, on va chanter avec lui. C'est ça le vrai point, en fait. Donc, arrêtez de parler pour rien, en fait. Quel que soit le boycott, le mec, il a ses fans. Et ses fans vont se déplacer massivement ce 20 décembre-là. On ne parle pas d'un autre artiste coupé décalé. Hein. Si cet artiste a pu tenir à la légende DJ Arafat, qui n'est plus de ce monde, je ne vois pas quel artiste va venir l'influencer ou quel fan peut venir l'influencer. C'est pourquoi j'ai dit lui-même, il ne connaît pas sa place. C'est-à-dire qu'il ne se connaît pas lui-même. Parce que s'il se connaissait lui-même, il y a des débats, il n'allait pas rentrer dedans. Donc, Dubodo et Koufa, laisse ça. Les légionnaires, mon message que j'avais à vous dire, c'est de ne pas rentrer dans ces histoires de clash, à vouloir répondre dans les commentaires qui ne sont pas en faveur de votre artiste. C'est dépasser ça. On tend vers 2020. Les élections approchent. Restez dans un esprit de paix. Le mal ne va pas venir vers vous. Mais si vous êtes dans un esprit de division, dans un esprit de guerre, le mal, quand ça s'est gâté là, ça va vous approcher, ça va vous visiter. Donc, tout ce que vous devez faire, si vous n'avez pas l'argent comme moi, commencez à cotiser un peu pour acheter le ticket de votre artiste le 20 décembre et aller avec lui faire la fête. C'est le plus important. Sinon, montrer que je suis un super fan, venir répondre à quelqu'un, ça ne sert à rien. C'est pourquoi quand je vous vois souvent suivre des vidéomans qui racontent tout et n'importe quoi, parce qu'ils utilisent le nom de l'artiste et ils se permettent d'insulter cette personne, vous me découragez un peu. Mais comme chacun est libre de suivre celui qu'il veut, vous avez libre choix. Mais ne rentrez pas dans ces bassesses-là. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous apprêter pour le 20 décembre. Et vous apprêtez comment? Commencez à cotiser pour acheter votre ticket. Commencez à galvaniser tous vos amis, tous les fans du coupé décalé. C'est une grande messe. C'est Dubodo Likoufa qui fait concert. Ce n'est pas un autre artiste coupé décalé. Je respecte tous les artistes coupés décalés, mais c'est Dubodo. Dubodo, avant les admirateurs, il a ses fans, qu'il appelle légionnaires magnans, les plus gamés. Eux, ils sont déjà acquis. Eux, ils vont déjà se dépasser. Maintenant, le travail que vous devez faire là, c'est d'alerter, mobiliser, sensibiliser autour de vous pour dire que restons dans un esprit de paix, restons dans un esprit de paix pour que la fête soit belle ce 20 décembre là. C'est tout. Oh, Dubodo, j'espère que le message est bien passé. La Chine, j'espère que je n'ai rien dit de mal si j'ai sorti des propos qui ne vont pas plus. Veuillez m'excuser, mais il fallait que je réagisse. Voilà qui est clair. Que Dieu vous bénisse et puis sachez que c'était irritant. On partage massivement la vidéo. De temps en temps, je vais sortir comme ça pour venir apporter des éclaircies. Donc, rendez-vous ce 20 décembre à la célébration des 15 ans de carrière de Dubodo Likoufa. C'était Erito. Ça ne se fera jamais. Voilà. On sait qui est qui sur YouTube ici. Ciao.